يهدينا الصراط المستقيم. Guide-nous dans le chemin droit. C'est-à-dire, montre-nous, oriente-nous et mène-nous à la voie de rectitude qui est claire et qui conduit à Allah et à son paradis, celle de la connaissance de la vérité et de sa mise en pratique. Guide-nous donc vers le chemin et guide-nous dans le chemin. Être guidé vers le chemin étant le fait d'observer constamment la religion de l'islam et de délaisser les autres religions. Et être guidé dans le chemin englobant l'orientation sur tous les aspects de la religion, que ce soit en termes de connaissances ou de pratiques. Ainsi, cette invocation est la plus complète et la plus profitable pour le serviteur. C'est pour cela qu'il incombe à toute personne de la réciter dans chaque unité de prière en raison de la grande nécessité envers celle-ci. Ce chemin étant Sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ghayr al-maghdubi alayhim, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ceux qui ont eu connaissance de la vérité et qui l'ont délaissé, tels que les juifs et ceux qui leur ressemblent. Wala dallin, ni des égarés, qui ont délaissé la vérité par ignorance et par égarement, tels que les chrétiens et ceux qui leur ressemblent.